Le constructeur automobile Nissan avoue avoir triché sur les méthodes de contrôle de pollution des véhicules produits dans ses usines du Japon. À l'issue d'une enquête interne demandée par les autorités japonaises, le partenaire de Renault indique que les taux d'émission de gaz d'échappement et d'économie de carburant ont été altérés. Nissan ne divulgue pas le nombre de véhicules concernés, mais assure qu'en dehors du modèle sport GT-R, ces voitures respectent néanmoins les normes d'émission et de sécurité japonaises. Nissan ne précise pas les problèmes rencontrés sur son modèle sport GT-R et n'indique pas non plus la durée durant laquelle les méthodes de mesure illégales ont été employées.